que je suis, j'en sais rien du tout, moi. Je suis quelqu'un qui a simplement une conscience aiguë, et c'est la seule chose dont je puis dire qu'elle me caractérise, qui a une conscience aiguë de la fuite du temps. J'ai une conscience quasi maladive de l'idée que chaque seconde qui passe nous approche de l'abîme et de la fin et du néant. Et je suis donc pris d'une sorte de frénésie d'accumuler les rencontres, les expériences, les lectures, enfin tout ce qui pourra essayer de me dire lorsque je serai au dernier moment de ma vie que je n'ai pas trop gâché le temps qui m'était imparti. C'est quelque chose qui me semble tout à fait nécessaire avant 40 ans, ne serait-ce que pour revenir à quelque chose d'essentiel et qui s'appelle la méditation. Ça n'est pas utile, ça n'est pas chiffrable et ça n'est pas rentable. Mais ça apporte quelque chose qui est peut-être de revenir, de s'accorder à sa profonde vérité. Mais j'ose croire qu'en racontant cette expérience, ça permettra à certains qui se sentent peut-être un peu corsetés dans la ville et dans la modernité, ça leur donnera l'idée qu'il y a un recours possible aux forêts, il y a une consolation possible. Il y a quelque chose qui est possible quand on sait qu'une cabane vous attend, où vous pouvez inventer votre vie et vivre ce grand jeu de la vérité qui est la solitude dans les bois. Ce que j'ai essayé de chercher pendant 6 mois sur les bords du Baïkal dans ma cabane, c'est finalement ce que je viens chercher ici quand je monte sur les toits de Paris. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'essaie d'échapper à tout ce que la ville me vole et à tout ce que la modernité m'enlève. C'est-à-dire la maîtrise du temps, la maîtrise de mon espace, la maîtrise de ma solitude. Donc moi, si j'ai choisi le Baïkal, c'est parce que ça répondait parfaitement à mon désir géographique d'un endroit qui soit à la fois froid et forestier. On a tous un solfège géographique, on est tous attirés par des endroits plutôt que par d'autres. Et moi, mon lieu, mon tropisme, mon milieu naturel, le milieu dans lequel je me sens écologiquement, au sens étymologique du terme, où je me sens bien, c'est la forêt aux alentours du 50e parallèle, c'est-à-dire une forêt froide, une forêt de montagne. Et puis le Baïkal est un endroit qui est d'une beauté absolue puisque le lac fait 700 km de long et il fonctionne donc comme une sorte de grand miroir qui reflète la lumière du ciel. Je n'ai jamais vu dans aucun endroit du monde un tel dialogue permanent entre la terre et le ciel par l'intermédiaire de la lumière. C'est un endroit qui pour ça est une sorte d'écran de cinéma devant lequel vous pouvez rester et contempler les nuances de la lumière sans rien faire d'autre que regarder. Discipliné, il faut découper sa journée et moi c'est ce que j'ai fait très vite, je me suis imposé un rythme et qui d'ailleurs à la fin que je ne m'imposais plus, qui était une sorte de plaisir et de besoin, je lisais, j'écrivais le matin et l'après-midi je courais les bois et j'explorais mon environnement et ces heures étaient entrelardées de moments consacrés à la vie pratique de la cabane, couper le bois, pêcher le poisson, aller chercher de l'eau et cette discipline me faisait penser à ce que Robinson Crusoe faisait sur son île où il se forçait justement à dîner tous les soirs face à l'océan en costume avec ses chandeliers et avec sa nappe de lin blanc, c'est dans le roman de Daniel Defoe, parce qu'il savait justement que s'il ne s'imposait pas une discipline, très vite il verserait dans l'oisiveté, et donc dans la dépression et la déprime. Quand on vit l'expérience de la solitude, qui est une sorte d'expérience où on tranche toutes ses amarres et tous ses fils, et que tout à coup quelqu'un arrive, alors un inspecteur, un garde-chasse, un pêcheur ou un visiteur, on a beaucoup de mal à se remettre au diapason de ce qui s'appelle la sociabilité. Et ça a même atteint chez moi un syndrome assez profond, qui est que lorsque j'ai vu, un jour j'ai passé 15 jours sans vraiment voir âme qui vive, et un jour un bateau est passé au loin, et j'ai vu la vague du sillage qui est venu lécher les grèves de ma cabane, j'ai ressenti cette simple vague comme une manifestation d'intrusion quasi insupportable. Alors là on se dit qu'on est peut-être allé un peu loin. J'ai assisté en 10 minutes à la débâcle du lac, à la libération. Les glaces se sont entrechoquées, elles se sont disloquées. L'eau libre a recouvert le lac. Et ça a été le coup de l'annonce, le coup de canon qui présidait à la reconquête de la nature par les forces du printemps et à la défaite des muets. Vraiment, la seule chose que j'aurais envie de dire, c'est aller dans les forêts. Et les forêts, d'ailleurs, on peut les trouver dans les villes. Le recours aux forêts, il ne faut pas le prendre au sens premier du terme. On peut tout à fait recourir aux forêts dans la solitude retranchée de son appartement ou même de son cerveau et tenter de mettre des barrières qui ne vous barricadent pas du monde mais qui vous permettent de reconquérir ces très belles choses que sont la solitude et le silence.